show. C'est-à-dire qu'il va y avoir un de vous tiré au hasard. Une image va lui être imposée. Cette personne-là devra aller donc sur scène, interpréter à sa manière cette image-là dans une temporalité de 1 à 3 minutes. Cette personne-là aura le choix d'aller seul ou accompagné. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu sais que c'est toi, tu vois l'image, tu peux décider de la faire seule, mais tu peux aussi décider de l'amener avec toi une ou plusieurs personnes. C'est clairement un jeu d'improvisation. On a choisi des gens qui, pour leurs différentes facettes, sont susceptibles de cadrer là-dedans, nous semble-t-il, parce qu'il y a des virtuoses et des amateurs. Je suis un amateur, par exemple, et Marie-Claire est virtuose. Mais c'est aussi de créer une sorte de connivence. L'idée, c'est d'essayer de créer une connivence entre spectateur et performeur sur scène. Parce qu'ils participent au même jeu. Ils sont spectateurs d'un jeu, ils connaissent assez rapidement les règles, s'ils ne les connaissent pas d'entrée de jeu. Ils peuvent suivre la trame et il y a une sorte d'excitation à voir cette chose arriver. Magali! On souhaite faire un spectacle qui est intéressant à regarder pendant une heure. Donc on pense à ce qui est intéressant ou pas intéressant. Après ça, il y a aussi un gros travail d'équipe. C'est quelque chose qui est impliqué nécessairement dans tous les spectacles où il y a le nombre de personnes. Mais quand on fait de l'improvisation, l'esprit de l'équipe est extrêmement important à mon avis. Ce choix de travail-là, qu'on traverse des états performatifs, donc improviser, mais aussi réagir instantanément sur scène à des stimuli qui nous sont proposés. Puis je pense que c'est là où il y a peut-être un aspect performatif, parce que on est vraiment confronté à notre vitesse, notre rapidité, gérer les choix, même en sachant que on ne sait pas exactement ce que ça va donner. En fait, bref, assumer tous nos choix à l'instant même où on prend nos décisions. Je ne sais pas où je m'en vais avec tout ça, mais ça mélange toujours, on dirait, les deux, en fait, complètement. J'ai reconnu les trois, ça. C'est pour nous, Catherine et moi, fort intéressant d'imaginer quelque chose sur papier, puis après de le mettre à l'épreuve avec les partenaires. Et là, on a évidemment des surprises, comme ce qui vient de se passer, soudainement une image et à laquelle tout le monde est convié, et puis ça prend un moment avant que quelqu'un décide d'attraper cette image-là pour la faire vivre sur scène. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'arrange? Donc, le processus de questionnement à partir d'un jeu relativement simple y est continu. Marita Catalan a fait une espèce de condensé violent de plusieurs images, puis là, ensuite, de les prendre, puis de les digérer, puis de les émettre tout de suite. C'est intéressant comme travail, puis après, c'est la fascination de comment rendre cette consommation-là transparente et fonctionnelle et partageable. Mmh. 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 Mmh.